Vous êtes sur RTL. Faux.fr. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour et oui, bah on oui, commence déjà joyeux, à rire. C'est comme ça. Depuis qu'il a déclaré sa candidature à la primaire de la droite, Éric Ciotti n'a pas encore décollé dans les sondages. Heureusement, l'ancien président Nicolas Sarkozy a décidé de l'aider. Merci de ton aide, Nicolas. C'est gentil de m'aider à conquérir l'Élysée. Oh non, mais de rien, Eric. Tu vois, en ce moment, je n'ai pas de convocation au tribunal. Alors, pour tuer le temps, j'en profite pour aider les plus nécessiteux de mes fils spirituels. Tu sais, Eric, dans toutes les familles politiques, il y a des vilains petits canards. Ah oui, mais attention, hein, moi je ne suis pas une canard. Hein? Ah ben non, bien sûr. Prends pas pour toi, Donald. Bon, passons aux exercices pratiques. Si tu veux bien. Alors, disons qu'il y a une crise économique mondiale et que le président de la République, Éric Ciotti, il doit annoncer des mesures très impopulaires à la télé. Vas-y, je t'écoute. Mes chers compatriotes, la situation est grave. Le CAC 40 a plongé. La France risque d'y laisser des plumes et de se retrouver le bec dans l'eau. Bon, alors attends. Ne prends pas mal, Eric, mais les métaphores avec le couac, les plumes, le bec, ça va pas être possible. Quand tu parles, on a envie de te jeter des croutons de pain. Je te demande juste d'avoir l'air crédible. Vas-y, tu traques la gorge, et tu les regardes bien en face et tu reprends. Mes chers compatriotes, face à la crise, j'ai élaboré un plan efficace et qui ne casse pas trois pattes à un canard. Bon, s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, on se revoit dans une semaine. Voilà. Juste avant l'ouverture de la chasse. Hein. D'accord, Nicolas. Qu'est-ce que je peux faire pour m'entraîner d'ici là? Te détendre. Tiens, pourquoi tu vas pas au cinéma? Par exemple, en ce moment, il y a une rétrospective Michel Audiard. Je te conseille de revoir. Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Voilà, c'est ça. Alors, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est de circonstance. Ah, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur le variant colombien, appelé le variant Mu. Celui-ci pourrait résister au vaccin. Voilà qui conduit Olivier Véran, le ministre de la Santé, à poursuivre sa campagne de communication. Bonjour, c'est Olivier Véran. Après le variant chinois, le variant anglais, le variant brésilien, le variant indien, le variant de Gif-sur-Yvette, voici le variant colombien. Faites très attention, si vous êtes contaminé par le variant colombien, vous verrez des éléphants roses et nous vous enfermerons dans le jardin des Halles à Paris avec des fumeurs de crack, des punks à chiens. Vous aurez les dents noires et elles finiront par tomber. Pour ne pas avoir les dents qui se déchaussent, il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Oui. Voilà pourquoi, dans chaque lieu public, un agent du ministère va vérifier votre haleine. Si elle est mauvaise, vous serez assigné à résidence jusqu'à la fin de vos jours. Si elle est bonne, vous aurez gagné votre passe dentaire. Alors, pensez à Hollywood Véran, le chewing-gum au bon goût de menthe. L'abus de mastication est dangereux pour la santé. Il provoque aérophagie et flatulence. Veuillez consulter votre médecin pour toute indication supplémentaire. Et votre médecin, c'est moi. Avec Olivier Véran, vous mourrez seul et triste, mais en bonne santé. Ah, ça fait plaisir. Bonjour Enrico Macias. Ça faisait longtemps. Bon, il y a 5 sur toi, ma petite gazelle à poncho, et 5 sur toi aussi à mon petit frère Yves Calvi, que j'écoute tous les matins sur RTL. Merci Enrico. Mais que je ne peux pas regarder sur Beurre FM TV, dans ton émission en 3D, parce que j'ai pas les lunettes qu'il faut. On va vous fournir, cher Enrico. Celle qui donne mal au crâne. Je vais demander à Marc Olivier Progiel de vous fournir. Celle qui donne mal au crâne, mais qu'avec, on a l'impression que Dark Vador, il va te couper la tête avec son sabre laser là, à 3D à lui. Tellement qu'il est près du spectateur, le Dark Vador. Pouille, ma parole, ça fait peur. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas venu nous voir pour parler de la nouvelle émission d'Yves sur BFM TV. Non, c'est vrai que je suis venu parce que je sens bien que vous avez besoin d'un expert pour parler des Afghans. Ah, oui, voilà, c'est vrai. Parce que tu sais, moi, tout ce qui est Proche-Orient, Moyen-Orient, Festival Interceltique de l'Orient, bref. Tout ça, ça me parle à mon cœur, à moi. Parce que je te signale qu'on m'appelle l'Oriental, hein, le vrai regard fatal. J'adore. Justement, quel regard portez-vous sur la situation au Proche-Orient? Mon regard fatal d'Oriental, quand je vois ce qui se passe à Kaboul, en Afghanistan, la mort de mes os, il s'est embué comme les lunettes
Afle l'ouche de tata Djamila quand elle met à bouillir la couscoussière. Ah, ça s'est tout embué. Oui. Mes yeux, ils pleurent et j'ai le cœur qui saigne. Pauvre Enrico. La prise de pouvoir par les talibans vous inquiète, bien sûr. Tu sais, ces gens-là, je les connais. Hein. Les colombes de la paix, ils les chassent à la Kalachnikov. Et ils en font des tartares. Hein. Ah, ouais. C'est des sauvages. C'est pas parce que les nouveaux talibans, ils disent qu'ils vont faire la charia light que ça va me rassurer. Hein. Vous n'y croyez pas? Qu'est-ce que ça veut dire, la charia light? Ils vont plus prendre des cailloux pour lapider les femmes, ils vont prendre des petits graviers. Moi, je sais pas, mais c'est quoi la lapidation light, hein? Tu sais, ça me fait penser le jour où tonton Abdel, il avait voulu faire du light pour que tata Djamila, qu'il faut bien le dire, hein, commençait à ressembler à un loukoum avec le miel, le sucre, l'huile d'olive et tout et tout. Pour que tata Djamila, donc, elle maigrisse un peu. Ah bah écoutez, racontez-nous, on adore. Comme tata Djamila, elle avait l'habitude de manger des confitures aux fruits confits. Ah oui, quand même, oui. Bah, bien confit dans le sucre. Qu'un seul pot, il pouvait régler le problème de la faim dans le monde. Hein. Bref, comme elle mangeait beaucoup de confitures, tonton Abdel, il a eu l'idée, pour faire light, de remplacer la confiture de fraise à tata Djamila par de la harissa. Faible en calories. Comme tu le dis, tata Djamila, elle a croqué dans sa tartine à elle. La mort de mes os, elle est devenue aussi rouge qu'une tomate mûrie au soleil de Constantine. On se serait cru dans l'exorciste. Elle faisait des tours sur elle-même, comme une toupie en disant des mots à tonton Abdel sur sa maman. Comme quoi qu'elle ferait des choses bizarres en enfer, et je ne peux pas te le répéter. Ah non, faut pas. C'est pour ça que maintenant, je me méfie des messieurs barbus qui veulent imposer des trucs aux dames, même quand c'est soi-disant light. Ouais. Bonjour. Ah, Pascal. Bonjour Pascal Pro. Oui, voilà. Alors quel est le menu des auditeurs ont la parole aujourd'hui? Eh bien, nous reviendrons évidemment sur la disparition de l'immense Jean-Paul Belmondo, les critiques cinéma exigeants de Libération, Télérama et des Inrocks qui depuis hier s'extasient sur le talent de Bebel, vont-ils devoir réécrire tous les articles fielleux qu'ils ont consacrés au cinéma populaire et à ses films en particulier? Je pose la question au 32-10. Ah bah c'est bien, merci bah, Pascal. Oui. J'ai pas fini. Doit-on obliger ces scribouillards à réécrire leurs articles repentants en écriture inclusive? Le point la professionnel point le. Un singe en hiver va-t-il se transformer sous la plume de ses gratte-papiers en une guenon en été? Pierrot le fou va-t-il devenir Pierrette la dégenrée? Enfin, pour faire plaisir à ses rééducateurs culturels, itinéraire d'un enfant gâté va-t-il être nommé itinéraire d'un enfant stigmatisé? Je pose la question au 32-10. C'est bien. Et nous attendons toutes ces réponses avec impatience, bien entendu. Oui. Merci beaucoup à toute l'équipe. Excellente journée. Rendez-vous demain, même heure, même antenne. Tout à fait. À demain. Il est 8h55. Cyril Lignac, on se retrouve dans un instant avec une bonne recette de poule. Je sais que vous aimez ça. J'aime bien ça. Octopodie en grec. 8 pattes. Voilà. À tout de suite. Passez une bonne journée sur RTL. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de la matinale dès demain. Nous allons continuer ensemble à décortiquer, mieux comprendre et débattre de l'actualité. Alors, bonne reprise à tous et à demain. Retrouvez Yves Calvi pour RTL Matin dès demain entre 7h et 9h30.